Hola Essencito, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi en tout cas ça va très bien. J'ai, pour une fois, franchement ça m'a étonnée, mais j'ai eu très hâte de recevoir mes manuels scolaires, ce qui m'ont été délivrés par la poste. Et oui, ils sont enfin arrivés. Donc franchement, oui, c'est très bizarre parce qu'avant les fournitures scolaires et tout ça c'était pas trop mon truc. Mais là je suis très contente parce que là oui, bon, j'ai choisi d'aller à l'université. Oui, donc si vous savez pas, j'allais à l'université en... ça commence le 6 octobre. Et j'ai étudié, c'est Arts and Humanities, et je crois que l'équivalent c'est une licence en arts et lettres, il me semble. Et donc là, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a à étudier aussi, si vous êtes intéressé à faire le même parcours, ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'il vous faut prendre comme fourniture scolaire aussi. Et ouais, commençons. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc j'ai déjà un peu ouverte. Ok, tu en as. Bref. On a déjà fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, je pense, je sais pas si on voit bien. Sinon c'est pas vrai. C'est, je crois que c'est le truc qu'il faut écrire les pour les contrôles en fait qu'on fait. Quand je nous dis ce que j'ai fait, c'est avec l'université, c'est Open University. C'est un truc que tu peux faire à distance. En fait, il y a des cours aussi que tu peux assister dans la vraie. Dans le bâtiment en lui-même, mais les trucs sinon la plupart bah, c'est en à distance. Et là ça un envie, ça ressemble à un truc genre pour un DM on dirait. Ouais, on met ça à côté. Et donc là le premier livre, donc ça il y a le Study Companion. J'imagine que c'est what's the module about, qu'est-ce que tu vas étudier, c'est quoi le but, what to do first, par quoi commencer. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme matériel à utiliser et comment tu vas, ils vont faire le contrôle en continu, comment, c'est quoi leur méthode, leur technique, tout ça, et tuition. Ah bon, ça c'est tout ce qu'il y a façon moyens financiers, cher. Un premier livre, From the Arts, Past and Present, Reputation. Il me semble que c'est sur la réputation. J'aime bien les sentir les livres, j'aime bien quand ça sent neuf. Ça sent couleur en plus. Là. Intéressant. Donc, j'ai essayé de faire vite aussi parce que si vous me connaissez ou sinon, si vous regardez les vidéos à fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que Suzy, des fois, a dit oui, je vais faire vite au final. Non, donc là, on va vraiment essayer de faire vite pour une fois. Oh, un livre violet, très bien. They are past and present, traditions and descent. Donc sur la tradition, sur les traditions j'imagine. Et descent, là tout de suite je pourrais pas vous lire. Intéressant, il y a l'air d'avoir des trucs sur l'architecture. Continuons, un autre livre. Cultural Encounters. Ça sonne un peu science-fiction. Pareil. En fait, c'était le cas. Place and Leisure, donc ça c'est le 4e, donc il y a 4 bouquins, ce qu'il faut vraiment servir pour étudier, donc 1, 2, 3, 4, oh j'ai mis dans moi en plus, ils ont pas l'air très épais, alors comme les livres scolaires qu'on a en France, c'est très bien, et le petit fascicule pour, ça va être mon compagnon d'études, voilà, et il y a des DVD aussi, donc qui vont avec, j'imagine, avec les livres, genre parce que des fois j'ai remarqué, si j'ai commencé, ce qu'ils ont conseillent avant de vraiment commencer la fac, faire des devoirs de vacances, enfin ou des devoirs juste pour s'habituer, pour savoir ce qu'on va étudier. Et là j'ai commencé, ce que j'ai fait là c'est dernièrement, enfin j'en ai fait plusieurs déjà, dernièrement c'était sur The Enlightenment, je crois que c'est le siècle des Lumières, je suis pas sûre de la traduction. Mais c'est par rapport au changement de voir la façon des choses. Et il y avait des vidéos aussi, faire regarder en plus de la lecture. Donc j'imagine que là ça va être pareil, donc ça c'est pour les livres 1, 2, 3, 4. J'espère qu'il... Ça c'est un CD ça. J'espère que ça va passer à la PlayStation tout ça parce que mon PC n'a pas de lecteur DVD. Parce que sinon on va falloir que j'en achète. Oh, il y a quelqu'un, parce que si vous savez pas, je travaille dans un théâtre, il y a quelqu'un qui a oublié, tenez-vous bien, son lecteur de CD, un genre un Walkman mais CD. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, le truc, ça me retourne vers le futur, quoi. Mais si ça continue comme ça, je vais devoir m'en acheter, donc
Enfin, si j'en trouve. Enfin, il va bien avoir, je pense, des trucs portables pour les ordi, je pense. Assessment booklet. Have you assessment feedback? Comment ça marche, tout ça, les contrôles continus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y a en tout. Je pensais qu'à la fin de cette année, parce que je commence en temps partiel, donc je fais 60 crédits pour commencer en douceur. Et je pensais qu'à la fin, il va y avoir un examen, mais en fait, non, c'est genre des devoirs sur le tas que tu fais chez toi. Ou il y a aussi des cours. Mais il n'y aura pas d'examen, c'est juste ça, il explique comment. Parce qu'il va falloir étudier, c'est très bien. Et le premier, c'est quand? Parce qu'il y a les dates déjà dedans. Alors, je crois que le premier c'est le 9 novembre, je crois qu'il est dû. Assessment 1. Cut-off date 9 novembre 2018. Alors, donc je vais commencer par partie 1, Cléopatra. J'aime bien Cléopatra. Partie 2, Cézanne. Et donc là, ils ont commencé, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, c'est terrible. Ils ont aussi, dans le induction de ce qu'ils font en début d'année, ils ont conseillé aussi d'aller dans les galeries d'art et tout ça. Donc mes devoirs, c'est d'aller dans une galerie d'art, même ça. Et la partie 2, c'est Cézanne, qui est un peintre, il me semble. Et là, c'est tout. Mais c'est parfait, Cléopâtre et Cézanne. Très bien. Assessment 2, partie 1. C'est moins explicite, enfin, je verrai ça plus tard, donc c'est un peu nuant, ça ne m'intéresse pas trop. Et il y a des illustration books. Voilà, qu'on voit très bien, ça va être un gosse. Et for yacht. Plates for book 1 and 2. Ah, donc les illustrations, je pense, c'est pour le livre. Ça qui va aller avec ces deux-là. Voilà, donc. This book. With those two books. Et ce bouquin. Avec ces deux bouquins. Lui et lui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, c'est des. Ah, si, parce que si c'est comme les trucs que j'ai fait à mes devoirs de vacances, ils disent réfère-toi à cette image. Et je pense que ça doit être pour ça. Ouais, ça doit être ça. Et puis, c'est tout. Et donc, on va passer aux fournitures scolaires. J'ai pas parlé. Et donc, on va commencer ce qu'il faut acheter aussi. Il a fallu acheter des livres. Et un des livres, c'est c'est celui-là. Voilà. The Faber Book of Beasts, edited by Paul Mulden. Et il faut vraiment avoir la bonne édition, la maison d'édition. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est un recueil de poèmes. Ouais, c'est ça, c'est un recueil de poèmes. Je sais pas comment faire mon adresse aussi. Un DVD. Pour regarder ce film. Donc là, j'ai regardé, je pense, avant. Dans quelques jours, juste avant que ça commence, c'est Badgy on the Beach. Et c'est un film sur A Day Trip to Blackpool. Ça va être un mélange culturel entre l'Angleterre et l'Inde, j'imagine. Il y a un autre bouquin là. Oui, il y a un autre bouquin. The Peel of Thames. Alors, je mettrai les traductions aussi, en fait, un peu par-dessus, parce que moi, les traductions, moi, personnellement, là, petit, je les connais pas. Donc. C'est Antigone. Ça doit être une histoire d'Antigone en fait. Très bien, sinon ça c'est une pièce de terre. Une pièce de terre. Une histoire. Ouais, enfin de la manière dont c'est fait, on dirait une pièce de terre. Si c'est une pièce de terre. Ça en a fait. Ah, j'ai pas encore ouvert. Ah, Dr. Faustus, je sais pas comment on prononce, Dr. Faustus, c'est une autre pièce de théâtre. Que j'ai lu, c'est très. Faut s'accrocher, je crois que c'est écrit par Marlowe, Christopher Marlowe. Et franchement, le gars, il a une vie. Pour son époque, c'était genre le rebelle, quoi. Rien que de connaître la vie de l'auteur, ça m'a tout de suite intéressé. Je dis qu'il est le rebelle et toute son époque, en plus, il était athée. Et c'est très bien qu'en époque. Et c'est un contemporain de Shakespeare, donc en époque de Shakespeare, ils étaient et pas. C'était direction la guillotine ou ce genre de machin. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a The World of Difference. C'est un autre livre qu'il faut aller acheter. Voilà, ce qu'il va falloir acheter si vous êtes intéressé ou si vous voulez le lire. An Anthology of Short Stories from Five Continents.
Donc j'imagine, enfin j'ai pas lu évidemment, mais j'imagine par le juste par le titre que ça va être donc des nouvelles qui viennent de plusieurs. Oh, il y a des notes en plus dedans. Mais parfait, mais merci. Voilà, l'intérêt aussi d'acheter des livres d'occasion. Il y a des petites notes. Donc si ça se trouve, ces notes-là me sont utiles. Merci beaucoup à la personne qui a acheté ce livre avant moi. Et donc j'imagine, vu que ça vient de 5 continents différents, ça va être d'étudier les différences de la façon d'écrire entre chaque continent. Donc là, c'est Afrique, Asie, Australie, Europe et les Amériques. Et on va passer aux autres fournitures scolaires. Alors là, je peux dire, au début, j'étais pas sûre. Je me suis pris ça. C'est le beau papier, bien à la main, c'est doux, ça glisse, le stylo il va glisser et tout, trop bien. Au début je me suis dit bon, on va essayer quand même de faire ça sur un petit budget. Après je me suis dit bon, t'as pas été à l'école depuis un moment, fais-toi plaisir. Donc du coup pour là, je vais peut-être pas faire ça pour à chaque fois que je vais à la fin, mais parce que bah, le truc il coûte un peu plus de 5 pounds, ça fait un peu cher le papier quoi. Moi je me suis dit pour les premiers mois, je prends mon papier quoi. Franchement, c'est dommage que vous ne pouvez pas toucher, mais enfin, vous devez connaître, je pense, quand même les papiers Oxford. Oh, c'est juste trop bien. Au toucher, c'est vraiment très bien. Bref. Et je me suis fait plaisir aussi avec un petit beau stylo plume de chez Parker. Comment je le... Au début, je me dis, bon, bah... Des stylos, j'ai même toujours mon stylo du lycée, s'il vous plaît. C'était une trousse qui était dans la trousse Pouka. Voilà, parce que je suis abonnée. Voilà, donc le stylo qui va bien. Stylo plume, évidemment. Avec le stylo plume, on a les cartouches et l'effaceur. Et je m'ai aussi pris des petits post-it pour faire... Parce que là, j'ai pris ça. Donc ça, je peux mettre dans un classeur. Je pense pas que je vais mettre dans un classeur. Mais je pense, au fur et à mesure que je vais écrire, je vais mettre les post-it là pour faire genre des... comment on dit, des marqueurs. Je sais plus. Des trucs pour faire les divisions, genre comme des marque-pages. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, je vais aussi vous montrer les tas de... On sent ma trousse aussi. Ah si, je vous ai pas montré. Monsieur, enfin là, je l'avais pas acheté là pour l'occasion, mais j'avais acheté il y a pas longtemps parce que je voulais faire, je sais pas, un truc avec genre artistique. Donc j'aurais aussi des stylos paillettes pour colorer un peu mes études. Et là, regardez donc tout ça, c'est ce que je vais devoir utiliser pour ma première année. Voilà, on va essayer de faire que ça ne fasse pas trop moche. Voilà, voilà. Et donc la première année là, donc comme je vous ai dit, je commence en 6 octobre. Et en fait. Et bien, si octobre, je serai personne, donc je vais essayer de voir quand même si je peux commencer un peu avant, s'il y a des trucs que je peux emmener genre dans un jour de retour, pas être trop en retard. Enfin, je vais revenir en Australie, ils sont genre juste 4 jours de retard, mais c'est pas énorme, mais vraiment bien être préparée. Et donc là, ça finit en juin. Finit-il en juin? Et donc, le papier. Ah non, en mai. Elle a fondu la semaine le 23 mai. Mais parfait. Juste avant que je retourne en France. Mais c'est très bien, mais c'est très bien. Oh, je suis contente. Parce que je pensais en fait que j'allais avoir amené tous mes livres. Bon, les livres, je vais les garder, je pense, au cas où je devais repasser le truc. Mais ouais, là, le cut-off date, le 23 mai. Donc j'imagine les résultats, c'est genre un mois ou deux mois plus tard. Donc en juin, début juillet. Très bien. Donc comme ça, j'aurai coup avant de revenir en France et avant de déménager en Espagne. Mais sinon, ouais, j'ai commencé là en Angleterre et après je vais finir ça en Espagne, en France. Je sais pas combien de temps je vais rester en Espagne encore. Peut-être un an ou deux, on verra. Donc là, en tout, donc là j'ai commencé en temps partiel et après j'ai essayé de continuer à temps plein parce que, pour que ça me fasse pas trop longtemps. Parce que là, temps partiel, temps plein, ça devrait me faire à peu près 4 ans. Mais si je fais tout à temps partiel, et bah, ça va faire 6 ans, je crois. Ça fait un peu long, j'ai essayé de faire ça un vite, hein, genre 4 ans c'est pas vite, mais faire ça le plus rapidement possible, et bien évidemment pour que je passe ma licence et que je l'obtienne. Et voilà, je vous dis à la prochaine, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez été à l'université, si vous avez déjà étudié avec Open University, et ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé facile ou pas, si vous avez des conseils ou tout ou à me donner. Et si vous avez des questions par rapport à ça, si vous envisagez, d'étudier avec Open University ou si vous envisagez d'étudier à Londres, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ou envoyer un mail. C'est dans la description de la chaîne.
et dans la description, je mon email. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les Sensitos.